Oh, j'ai cru le sauver, je les ai tous perdus. Mais qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous dit? Le président du tribunal m'a trompé, l'horrible personnage. Il prétend dégracier celui qui m'a porté secours. Et vous l'avez désigné. J'ai cru le sauver. Oh, ma mère. Ainsi, mon mari va mourir. Ton mari? Oui, madame. Morgan est mon mari. Et c'est l'abbé Fanon lui-même qui nous a unis devant Dieu. Tu étais mariée. Et nous ne le savions pas. C'est que nous sommes trop fiers, nous autres Mourevelles. Vous auriez eu honte d'un brigand. Et moi, j'aurais eu honte de vous. Tu aurais dû nous dire qu'il était gentilhomme. C'était son secret. Il est devenu le mien. Toi, mariée. Oh, mon Dieu, que va dire ton frère? L'opinion de mon frère. Pour tout vous dire, madame, j'ai d'autres soucis aujourd'hui. Oui, tu as raison. Mon Dieu, il faut faire quelque chose pour sauver ces jeunes gens. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose à faire. Il y aura un autre procès. Ils se sont pourvus en cassation. Leur pourvoi sera rejeté. Je reviendrai sur ma déposition. C'est trop tard, on ne vous croira pas. Oh, mon Dieu, que faire? Il y a quelque chose à tenter. Si Roland était là, il nous aiderait. Roland est aux Tuileries. Il haïssait les compagnons de Jéhu. Il se réjouira de leur condamnation. Je ne veux pas que ces jeunes gens meurent par ma faute. Je ne veux pas que tu perdes ton mari. Hélas, madame, vous n'y pouvez plus grand-chose. J'irai à Paris. Je me jetterai aux pieds de Bonaparte. J'obtiendrai leur grâce. Si vous permettez, madame, j'ai une proposition à vous faire. Oui, parlez, John, je vous écoute. Moi, j'irai plus vite à Paris que vous. On ne vous laissera pas approcher le premier consul. J'approcherai Roland. Oh oui, je vous en supplie, partez. Courez vite. Dites-lui que sa mère est au désespoir. Roland fera tout pour vous ôter ses remords. Ah, lui peut-être, mais Fouché sera inflexible. Bonaparte aime Roland. Il aime aussi le courage. On lui dira ce que sont vraiment ces gentilshommes. Permettez-moi de vous conduire jusqu'à votre chambre. Oui. Il ne faut pas perdre de temps. Du bruit. Amélie! Amélie! Au banquet de la vie, infortuné convive, j'apparus un jour et je meurs, je meurs. Et sur ma tombe où lentement j'arrive, nul ne viendra verser des pleurs. Salut, chant que j'aimais, et vous, douce verdure, et vous, riant des gazines des bois. Ciel, pavillon de l'homme, admirable nature, salut pour la dernière fois. Ah, puisse voir longtemps votre beauté sacrée, tant d'amis sourds à mes adieux, qu'ils meurent plein de jours, que la mort soit pleurée, qu'un ami leur ferme les yeux. L'hiver du Ronsard, c'est plus gai. Thank you.
touche pas mon amour, tu ferais cliquer des lézards. Ma femme. Ma merveilleuse femme, tu as tenu ta promesse. Je t'en ai fait une autre, tu sais. C'est de te suivre partout où tu iras. Bientôt, nous saurons nous rejoindre. Tavernier! Oh là, Tavernier! Bah, fais pas ces yeux de merlan frit, je suis pas un griveleur. J'ai de l'or plein mes poches et de l'or anglais. De l'or anglais? Réel ennemi. Il devrait valoir le double. Comment vous? Un cocher? Cocher, je l'ai été une fois. Pour conduire une femme. Ah, je me souviens, la marquise de Septeuil. Oui, Agathe, dans l'intimité. Ah, vraiment? Mais j'étais pas que son cocher. J'étais aussi autre chose. Congratulations. Non, condoléances. Agathe est morte. Fusillée par les Blancs. Par tes amis, canailles. Je suis un honnête républicain. Oh, non. Non, t'es trop gras pour être honnête et trop servile pour être républicain. Tiens, donne-moi encore une bouteille de Ténubis Saint-Georges. Ce sont les seules nuits qui me fassent dormir. On m'a tué ma maîtresse. Et moi, je l'ai vendue. Aux Anglais? Comme Jeanne d'Arc? Non. Non, plus cher que Jeanne d'Arc. 10 000 livres. Mazette, c'est une belle somme. Tout se vend, tout s'achète, il suffit d'y mettre le prix. N'est-ce pas, honnête commerçant? Tiens. Tiens, ce soir, je t'achète ta femme. Hélas, elle n'est pas à vendre. Pourquoi, elle est trop fière? Non, trop laide. Bon, j'insiste pas. Me contenterai d'un lit. Je vous l'ai dit, je n'ai que 3 chambres et elles sont toutes occupées. Je paierai double. Je paierai triple. L'une l'est par la comtesse de Beaumont et l'autre par le général Brune. Et la troisième? Par un Anglais, justement. Mais riche, lui aussi. Ce sera la mienne. Les Anglais sont joueurs, je vais lui jouer ses draps. C'est or anglais. Je n'en ai jamais vu. C'est rond et ça roule. Aucune différence. Quelle heure est-il? L'heure du baccarat. Mon point faible. Tiens, mon acheteur, j'aurais dû m'en douter. Mon vendu, je vous croyais très loin. J'attends l'exécution de vos amis. C'est un spectacle qui vaut son pesant d'or. Je vous avais payé pour qu'il n'ait pas lieu. J'y suis pour rien, il aura lieu quand même. Vous vous en réjouissez d'avance. Je veux entendre le bruit du couteau sur leur nuque. Il n'est pas encore tombé. Oh, c'est une question de jour. Je ferai tout pour vous priver de votre spectacle. Vous vous vantez, Milord. Vous avez pu vous acheter un petit honneur d'Argousin, mais Monsieur Fouché est trop cher pour vous. Monsieur l'Argousin. Vous êtes venu pour jouer, il me semble. Oui, votre lit. Je vous laisse pour rien. Je n'ai plus sommeil. Mais je fais un pari avec vous. Ah, lequel? Je parie que je ramène de Paris la grâce des condamnés. Jusqu'à Bourg-en-Bresse? Jusqu'au président du tribunal. Top là, camarade. Ah non! Je fais le pari, mais je ne touche pas votre main. Vous avez gagné le lit. Il est très mauvais. Bad betting, comrade.
On verra si le pari est mauvais, camarade. Place! Je suis le colonel de Montrevel. Ah oui, colonel. Pourquoi pas général pendant que vous y êtes? Sergent, je ne plaisante pas et je suis très pressé. Je vais à Bourg-en-Bresse porter un message important. Il y va de la vie de 4 hommes. L'individu qui vous accompagne, je suppose qu'il est anglais. Ça se voit donc tellement. Emparez-vous de ces hommes! C'est sûrement les 2 escrocs qui nous sont signalés. Voilà 3 heures que nous sommes là. Va dire à ton capitaine que j'ordonne d'être interrogé immédiatement. Ne gueulez pas comme ça. Il n'a pas que vous à interroger, le capitaine. Il me semble que nous sommes les victimes d'un coup bien monté. Ouais. J'en rirais s'il n'y avait pas la vie de 4 hommes à sauver. Ça ose pète dans ce coin-là. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces oiseaux? La liberté, pardi. Ils ne l'auront pas de si tôt. Il y en a un des deux qui se faisait passer pour le colonel de Montrevel. La folie des grandeurs. Je le connais, moi, le colonel de Montrevel. J'ai servi à Bourg-en-Bresse avant d'être muté ici. Mon colonel, mais ils sont fous. Vous êtes complètement fous. Où est le capitaine? Cette enveloppe semble authentique. Les cachets sont officiels. Ce que les faussaires réussissent le mieux, ce sont les faux, justement. Tenez, capitaine, regardez et dites-moi quelle est la vraie. Ma foi, je n'en sais rien. Confiez-moi ce papier. Il m'aidera à poursuivre mon enquête sur ces 2 escrocs. Mon capitaine! Eh bien, sergent! Le colonel de Montrevel! C'est bien lui que vous avez arrêté. En êtes-vous sûr? J'ai servi sous ses ordres. Sacre Dieu, quel bourdais je fais là? Ah, je vous retiens, vous. Nous sommes cernés. C'est au colonel qu'ils en ont. Au colonel, il y a son message. Vous passerez pendant que je les occuperai. C'est une bonne idée d'avoir changé nos costumes. Coupons à travers bois, chacun de notre côté. Nous verrons bien qu'ils en veulent. À bientôt, Roland. Et tâchez d'arriver à temps. Adieu, John. Ne vous faites pas tuer. Thank you.
Qu'est-ce que c'est? Pitié, seigneur, je suis un pauvre hère. Oui, qu'est-ce que tu m'as pris? Mais rien, quelques liards, je vais vous les rendre. Attends. Allez, file. Je n'ai pas le temps de te faire arrêter. De Montrevel. Vous venez sans doute chercher deux bonnes places pour la cérémonie de demain. Au contraire, citoyen président. Je vous ramène des Tuileries, la grâce des condamnés. Quoi, le premier consul a eu cette faiblesse? Il l'a eu. Et demande instamment que toutes les instructions contenues dans cette lettre soient fidèlement suivies. Connaissez le contenu de cette lettre? Mot à mot. Le premier consul m'a fait l'honneur de me la lire avant de la signer. Eh bien, vous pouvez partir tranquille, colonel. Nous suivrons les instructions. Mot à mot. Et il n'y a pas un mot de trop, n'est-ce pas, mon cher collègue? Le général s'est d'abord moqué de moi. Tu m'arrêtes enfin ces brigands et tu viens me demander leur grâce. Au nom de ma mère, mon général. Si ta mère s'en mêle, je sens que je vais faiblir. Quel homme? Le grand homme m'a tiré l'oreille. Il sait que j'ai horreur de ça, mais ça l'amuse. Il m'a envoyé à Bourienne pour rédiger le décret en me disant: tu m'enlèves 4 brigands, rends-moi 4 officiers. Des officiers? Alors salut est à ce prix. Ils accepteront. Qu'en sais-tu? Et Bonaparte a ajouté, en me tirant à l'autre oreille, j'avais un bon chien de chasse. Le voilà transformé en terre neuve. John est arrivé. John! Mission accomplie. La grâce de nos brigands est entre les mains de la justice. Je n'osais pas y croire. Quoi? Tu doutais de moi? Nous avions contre nous un ennemi puissant. Qui donc? Fouché lui-même. Je comprends maintenant les embûches. Ce voleur que j'ai surpris dans ma chambre était sûrement un de ses espions. Le vrai peut-être. Il ne t'a rien pris? Non, la précieuse lettre est restée dans ma poche. Le temps a dû lui manquer, j'ai chassé l'homme à coups de poing. Et moi les miens à coups de banknote. Oui, tu me raconteras plus tard tes démêlés avec ces coquins. Passons au plus pressé. Ton mariage, c'est pour quand? Rien n'est encore décidé. Mais qu'est-ce que vous attendez, bon sang? Ma mère elle-même s'étonne de vos tergiversations. Un mariage, cela demande réflexion. Ce langage est nouveau dans votre bouche, Sir John Tanley. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et que les mufles pourront changer dans ce cas-là. Franchement, Roland, Mademoiselle Montrevel trouvera bien meilleur parti que moi. Je suis anglais, maniaque, célibataire dans l'âme. Est-ce que vous vous rendez compte que votre attitude est une insulte pour notre famille? J'en suis désolé. Cela ne suffit pas, monsieur. Entre gens d'honneur. Je suis à votre disposition. L'aube vous convient-elle? Je suis très matinal. Demain matin, s'il vous plaît. Nous le saurons tous les deux. Thank you.
Mes bons amis, vous avez besoin de nous dire que notre pourvoi est rejeté. Ils sont en train de dresser l'estrade, où ils comptent nous faire chanter un drôle d'air. Mais c'est le moment de en chanter un autre. Nos instruments. Je suis juré qu'on ait remplacé ce brave père courtois, su Dédé mal le récompenser que de lui faire entendre notre musique. Silence ! Viens ! Dormir la veille d'un si beau jour. Vous n'entendez pas qu'on s'occupe de vous. Ouh. Quelle heure est-il? L'heure des braves. Votre pourvoi rejeté. Qui sait-il qui a les cheveux trop longs? Le barbier est gratuit aujourd'hui. Prêtre aussi. Qui en veut? C'est un jureur. La République ne peut donner que ce qu'elle a. Montre-nous ton curé. Qu'on voit s'il a l'air catholique. Mais entrez, messieurs. Vous êtes ici chez vous. Thank you.
toi d'abord. Moi, personne ne m'attend d'autre prodigieux. Non, c'est pas une raison. Si, ça n'est une va. Va, Roméo, va rejoindre ta Juliette. Si je ne regarde pas. Hein. Ah. C'est toi, mon amour. Tu es libre? Oui. Libre. Tu ne viens pas? Ah non. Je n'en ai plus la force. Il faut que tu viennes à moi. Descends. Vite. Où es-tu? Ici. Je n'ai pas pu aller plus loin. Jacques, tu es blessé. Oh, mais pourquoi? Ils avaient obtenu notre grâce. Oui, notre grâce, nous l'avons reçue. Un coup de fusil. Oh, Jacques, reste avec moi. Reste avec moi. Je suis avec toi. Pour toujours. Rien ne pourra plus me séparer. Tu veux me parler? Oui, Roland. À toi tout seul. Ma mère. Je vous en prie. Thank you.
Nous avons une chose terrible. Chacun a nous pardonné. J'aimais Jacques de Saint-Hermine. Je faisais beaucoup plus que de l'aimer. Il était mon mari. Et vous l'avez tué. Notre mère m'a tout dit. Maintenant qu'il est mort, je vais le rejoindre. Il n'y a qu'un homme à qui j'ai pu me confier. C'est John. Comment ? John savait ? C'est mon seul ami. Il a gardé mon secret. Roland, pardonne-moi comme je te pardonne. Édouard, j'aime ta sœur plus que ma vie. Je veux pas qu'elle guérisse. C'est fini. Monsieur de Montrevel, nous avons une affaire à régler tous les deux. Amélie m'a tout dit. Je vous prie d'accepter mes excuses. Je n'accepte rien. Vous m'avez gravement offensé. C'est bon. Vous n'avez pas tiré sur moi. Et vous ? Il y a d'autres façons d'effacer un chagrin, mon cher John. Reprenez vos carnets de voyage et parcourez l'Europe. C'est bon. Je vais parcourir l'Europe. Je vais moi-même en faire autant. Mais avec Bonaparte.